Watch. Jesus said that in this end time, again, the two spirits would be real close together again. Is that right? Now notice, it will be closer than that was. This is the end time. Oh, children, God have mercy upon us. Till it would even be so real, till it would deceive the very elected if possible. Now, how did we tell it in them days? How are you going to tell it today? The same way, stay with the Word. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. Now, carry all this message, and when you listen to the tape, even maybe I'll be gone someday. When the Lord's finished with you here on earth, you refer back to this. Listen to my voice, what I'm telling you. Allons, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre bien-aimé frère Galilée. Et ce soir, nous sommes sur le plateau de Eagle Studio, vous présentant l'émission de Truth, qui veut simplement dire la vérité. Dans les Saintes Écritures, il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je ne suis pas seul, je suis avec un serviteur de Dieu, un merveilleux auxiliaire, Pasteur Lélé, que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Galilée. Merci pour l'invitation et l'opportunité que tu m'offres de m'exprimer sur votre plateau. Amen. Je salue l'équipe en studio, la technique, et vos merveilleux téléspectateurs qui vont nous suivre après et ceux qui sont connectés en ce moment. Que Dieu les bénisse. Amen. Alors, comment vous allez, Pasteur Lélé? Je vais bien, ça va. Quand on est dans le pays de l'oncle Sam, bien évidemment, c'est les gendarmes du monde. Quand on est avec les gendarmes, on se sent en sécurité, bien évidemment. Amen. Voilà. Alors, Pasteur Lélé, pour nos chers téléspectateurs, est-ce que vous pouvez vous prêter à l'exercice de vous présenter qui vous oui. êtes? Voilà, comme vous vous demandez de le faire, je suis, j'aime bien qu'on m'appelle frère. Frère Lélé, Henri-Jean-Bernard, dont mes parents m'ont donné trois prénoms. Je suis de nationalité camerounaise. Principalement, je réside à Douala. Je suis en tournée missionnaire aux États-Unis et presque en fin de séjour. Je suis pasteur d'une église et quelques satellites au niveau de Douala et les périphériques. Depuis quelques vingtaines d'années que je suis derrière la chair, en train de défendre la cause de Christ, comme toute personne qui a cette charge. Et ce n'est pas chose facile, mais nous croyons que Dieu, qui nous a aidés jusqu'ici, va continuer à nous aider jusqu'au bout. Voilà, si vous voulez mon âge, j'aurai 46 ans au mois de janvier. Donc je prends quand même un peu de l'âge, comme disait Frère Madame. Effectivement. Gloire au Seigneur Jésus. Nous pouvons le témoigner. C'est une bénédiction que nous avons de vous avoir avec nous, pasteur. Nous voyons comment le Seigneur Jésus-Christ travaille avec vous. Nous sommes allés dans plusieurs églises, des églises des latinos, des églises des blancs, de toutes formes. Le Seigneur Jésus-Christ continue à vous soutenir avec sa présence et les signes qui s'en suivent. Amen. Alors, sans plus tarder, pasteur Lélé, nous aimerons savoir, vous savez, ça fait plus de 2000 ans que le Christ, le Seigneur Jésus-Christ, a foulé les pieds sur la terre. Et ça fait plus de 50 ans également que le messager, frère Branham, notre précieux prophète, a quitté la terre. Alors nous aimerons savoir aujourd'hui, selon la parole, selon les Écritures, dans quelle heure est-il? À quel moment nous vivons présentement? Très bonne question, et question très pertinente déjà. Avant de répondre à la question, je voudrais déjà, parce que ceux qui nous écoutent, c'est un auditoire mixte. Et lorsqu'on dit quelle heure est-il, les gens vont peut-être s'attendre à ce que nous donnons, n'est-ce pas, l'heure des appareils d'horloge. Quand on dit appareil d'horloge, on parle de montre, on parle de pendule, non, nous ne parlons pas de ça. Nous parlons plutôt, je dois parler ici de l'heure prophétique. Exactement. Voilà, parce que nous ne parlons pas selon le monde, nous ne parlons pas selon l'ordre du cosmos, mais nous parlons selon
l'ordre prophétique. Et s'il fallait déjà d'entrée de jeu parler donc de cet ordre prophétique, je pense que je pourrais introduire ceci par une citation de Frère Branham dans le message Les 70 semaines de Daniel. Il y a beaucoup d'autres citations qu'on peut lire, mais je crois que je vais introduire par là parce que c'est la bouche la plus autorisée en termes de clarté, en termes de position. Et nous n'avons pas d'autres bouches que celle de Frère Branham en cette génération. Maintenant, si de ceux de mon église ici, vous savez qu'au fil des années, je vous ai toujours dit, si vous voulez savoir quel jour de la semaine on est, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quelle époque nous vivons, regardez ces Juifs. C'est la seule horloge. Dieu n'a pas compté de temps déterminé pour les gentils. Il n'y avait pas de période déterminée. C'est là, à mon avis, que beaucoup de grands auteurs ont confondu les faits. Ils essayaient d'appliquer cela en même temps aux Juifs et aux gentils, parce qu'il a dit « ton peuple ». Mais c'est à Daniel qui s'adressait, pas à l'Église. Le peuple de Daniel, les Juifs, s'ils étaient adressés à l'Église, ça ne donnerait rien de juste. Vous voyez, vous trouverez bien loin dans le passé. Avant même la venue de Christ, ce serait écoulé. Quelles que soient les semaines prophétiques dans lesquelles vous voudrez situer ça, ce serait déjà écoulé. Mais c'est aux Juifs qui s'adressaient. Donc, l'horloge de Dieu, ce sont les Juifs. Alors, si nous voulons savoir quelle est aujourd'hui, nous avons dans notre horloge, parce qu'il faut qu'on définisse là, c'est quoi l'horloge. Exactement. Voilà. Ce n'est pas l'appareil mécanique, les modes qu'on porte. C'est l'horloge prophétique. Alors déjà, quand on pose la base déjà, de savoir que notre horloge, c'est les Juifs, ça veut dire qu'on va travailler, n'est-ce pas, avec l'état actuel des Juifs. Voilà. Donc je crois que c'est ça. Alors, s'il faut donc connaître de quelle heure il est, nous devons déjà rentrer dans les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, parce que celui qui nous a donné cette indication, n'est-ce pas, ces signaux, c'est le Seigneur lui-même au jour de sa chair. Lorsqu'il était sur la terre, alors que les juges lui avaient posé la question sur le signe de son avènement, nous pouvons lire cela dans Matthieu 24. Voilà, Matthieu 24. Alors, nous pouvons donc comprendre la réponse de Jésus, n'est-ce pas, à ces Juifs. Alors, si vous permettez, on va juste lire la partie qui nous intéresse. Bien sûr. Matthieu 24, versets 30 à 32. Il dit, « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Alors, lorsque nous lisons déjà ce texte-là, à partir du verset 1 de Matthieu 24, vous voyez que le Seigneur nous donne déjà des signes indicateurs des événements qui vont se produire en notre époque, donc sous forme de prophétie. Alors, il peut parler, vous entendrez des guerres et des bruits de guerre. Un pays, une nation se lèvera contre une autre nation. Il a touché la famine, il a touché beaucoup de calamités, des tremblements de terre. Alors, nous voyons aujourd'hui, même celui qui ne lit pas la Bible, aujourd'hui s'interroge face à votre thématique. Quel est-il ? Exactement. Même le païen qui ne croit pas comme nous se pose des questions de l'heure qu'il est. Effectivement. Mais il faudrait donc qu'il s'accroche à notre émission pour comprendre, n'est-ce pas ? Les expressions qu'on va lui donner pour qu'il sache quel il est exactement. Voilà pourquoi nous allons passer ce temps, n'est-ce pas, dans cet échange, à montrer à nos auditeurs quel il est et nous-mêmes de nous sensibiliser à être plus sérieux parce que l'heure qu'il est, il est très avancé. Donc, je dis comment à monter les signaux, n'est-ce pas? Comme une fois, je prêchais un deuil au Cameroun et aux obsèques d'un ancien. Et je leur disais qu'autrefois, quand je lisais Matthieu 24, j'avais toute l'intention de pointer les bruits de guerre dans notre pays comme le Congo, comme le Rwanda. Mais aujourd'hui, on est au Cameroun, il y a le bruit de guerre au Cameroun avec ce que nous subissons, la guerre du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Vous voyez, c'est la prophétie qui doit s'accomplir. Effectivement. Voilà. Donc maintenant, pour entrer
nous voulons d'abord comprendre, on a compris ce que c'est que notre horloge, qui est Israël. Ça, nous avons compris cela. Maintenant, vous voyez, quand on a lu Matthieu chapitre 24, vous voyez, c'est un peu vague. Il faudrait qu'on rentre pour comprendre, pour situer l'époque, pour situer le temps où on est, la dispensation où on se trouve, pour connaître l'heure qu'il est. On a déjà dit que c'est les Juifs qui sont notre horloge. C'est Israël qui est l'horloge de l'Église. Maintenant, vous avez remarqué que nous avons parlé du figuier tout à l'heure. Jésus tire sa parabole du figuier. Il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Donc, Jésus ici, il met un accent sur le figuier. Alors, maintenant, lorsqu'on arrive à ce niveau, et on a dit, l'horloge, c'est Israël. Jésus vient encore nous parler du figuier. Alors, maintenant, c'est quoi le figuier? On a savoir c'est quoi le figuier. Alors, si nous rentrons dans le passage de Osée, Osée chapitre 9, verset 10, parce qu'il faudrait que ce qu'on dit soit scripturaire, parce que les gens nous écoutent. Effectivement. Et vous avez dit, votre émission, c'est le truth. Voilà. Osée dit, j'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Donc, on pourrait comprendre où Jésus fait référence. Pour dire qu'on va tirer une comparaison du figuier. Osée avait déjà annoncé que Israël serait, n'est-ce pas, comme des premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor et ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Voilà, donc vous voyez que déjà la Bible nous dit déjà pourquoi Jésus a pris la parabole du figuier. Pour nous montrer que Israël a pour fruit le figuier. Voilà. Donc voilà, nous pourrons dire ces bases. Déjà. Alors, si nous devons compléter ce que je viens de lire par une citation de notre prophète, vous voyez, il dit, mais voici de quoi Jésus parlait à mon très humble avis. C'est qu'il disait concernant ces générations-ci, en d'autres termes, la génération qui verrait le figuier bourgeonner, voyez-vous, il a dit, quand le figuier commence, devient tendre et qu'il pousse ses branches, vous dites que l'été est proche. De même, vous voyez, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le temps, point, 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 quand vous verrez toutes ces trois questions être accomplies, le temps est proche. Cette génération qui verra le figuier. Et le figuier représente toujours Israël. Là, nous avons une base scripturaire de la Bible, nous avons une base du message. Là, nous naviguons déjà sur un terrain, on peut avancer. Vous voyez, Jésus tire une comparaison du figuier pour nous montrer dans quel temps nous vivons, où nous vivons en tout cas. Parce que là, il annonçait, parce que c'était une question de disciples. Comment on va connaître le signe de son avènement? Alors, il a montré à cette époque-là quel serait. À quoi on reconnaîtra le temps de la fin, ou à quoi on reconnaîtra le temps qu'il fait ou l'heure qu'il fait. Donc, nous sommes tous d'accord avec Frère Branham que les Juifs sont le repère, les Juifs sont l'horloge de l'Église aujourd'hui pour les nations. Voilà, donc on a compris que Osée avait déjà annoncé cela. Donc, Jésus ne peut parler que la parole. Après, il ne peut dire autre chose que la parole. Parce que toute l'Écriture de l'Ancien Testament parle de lui. Donc, il ne peut pas se déroger de ces règles-là. Voilà. Donc, maintenant, on doit se poser des questions. On a dit, c'est quoi le figuier? On a défini, c'est quoi le figuier? Voilà. Maintenant, quand on dit, quand le figuier va bourgeonner, parce qu'il faut qu'on parle un peu, qu'on travaille de manière à ce qu'on le comprenne. Exactement. Oui, il dit, quand tu as une comparaison du figuier, lorsqu'il va bourgeonner, OK? Voilà. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que l'été est proche. Voilà. Vous voyez, à ce niveau, vous comprenez que vous pouvez mieux comprendre ça qu'un Africain. Vous voyez, il dit, lorsque les feuilles deviendront tendres, ou que les feuilles vont pousser, vous connaissez que l'été est proche. Ouais, il parle ici de temps. Il parle ici d'une saison. Alors, lorsqu'on verra Israël, ce figuier Israël, voilà le temps qu'il nous montre déjà, tendre, ses feuilles poussées,
on reconnaîtra que l'été est proche. Alors, vous voyez ici, il parle de l'été. Il parle de l'été. Vous voyez que avant, il y a l'hiver. Après l'hiver, on a, je crois, le printemps. Je peux me tromper, mais je crois que c'est ça. Il y a le printemps qui prépare l'été. Alors, vous remarquez donc que Jésus annonce déjà cette séquence, ces différentes saisons. Alors, donc ça veut dire que nous partons d'un hiver où l'arbre est passé par un hiver. Mais rappelez-vous que Jésus, lorsqu'il prévient les juifs de ce qui va arriver, il dit, priez que ce ne soit pas en hiver. Parce qu'on va, rentrer, comprendre pourquoi Israël devient le repère des nations. Vous voyez. Donc maintenant, vous voyez que l'été, il dit, vous savez que l'été est proche. L'été, c'est le temps de la vie. L'été, c'est le moment où le soleil brille. Vous voyez? Dans toute sa force. Alors, on sort donc de l'hiver pour le printemps. Alors, dans le printemps, on peut déjà voir comment les feuilles commencent à pousser. Les premiers commencent à pousser pour le printemps. Et l'été qui vient pour le soleil, dans toute sa force, dans toute sa vigueur, pour faire mûrir le grain. Donc, vous voyez que Jésus, donc, à ce moment-là, a-t-il l'attention déjà, pour nous, a-t-il l'attention des gentils, pour comprendre que c'est un temps de restauration. C'est pour ça que vous voyez, quand on va lire Malachie chapitre 4, on va remarquer dans Malachie chapitre 4 qu'il dit qu'il y aura un soleil de justice. Lorsqu'on rentre lire Joël chapitre 2, il parle de la restauration. Pas pour les Juifs, mais pour les nations. Je laisse ce que les années que le Hazi, le Gazam a dévoré, la sauterelle. Vous voyez, parce qu'à cette période-là, l'arbre n'a pas été coupé, mais en fait, l'arbre a perdu ses forces. Alors, si nous rentrons dans le livre, je vais lire dans, je crois que c'est dans Matthieu, je crois, chapitre 21, pour que nous puissions comprendre, parce qu'il faut bien voir Matthieu 21, n'est-ce pas? À quel moment? Parce qu'il parle, lorsqu'on va dire, lorsque les feuilles, qu'est-ce qui s'est passé pour que les feuilles commencent dans le printemps à pousser? Qu'est-ce qui s'était poussé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, on lit Matthieu 21, je crois qu'on va lire simplement un seul verset, le verset 24, parce que c'est long, ils vont lire chez eux, les téléspectateurs. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. C'est là où la ruine d'Israël commence. Parmi toutes les nations. C'est vrai, lorsque vous voyez aux États-Unis ici, on a les Juifs. Vous allez en Europe, on a les Juifs. Les Juifs sont versés partout dans le monde entier. Or, c'était ce que le Christ avait déjà dit, avait annoncé précédemment dans Luc, Matthieu, je veux dire Matthieu 21, n'est-ce pas, Matthieu 24. Et Jérusalem sera foulé aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Voilà. Vous voyez qu'à ce moment-là, ça nous montre exactement que notre rôle chez les Juifs. Voilà. Donc, je crois que j'essaie de répondre un peu sur la question de l'heure qu'il est. Et c'est quoi le figuier qui bourgeonne? Donc, nous comprenons déjà que l'heure qu'il est une heure très avancée. Voilà. Maintenant, je vais pousser un peu plus loin. Parce que jusqu'ici, on a dit que c'est Israël. Mais où en sont-ils maintenant? Où en sont-ils maintenant? Voilà, c'est une très bonne question. Alors, nous devons déjà reconnaître que Israël, déjà, c'est quoi déjà ce figuier qui pousse? Nous savons que en 46, en mai 46, oui, je crois le 7 mai 46, lorsque Israël a commencé à retourner, devenir une nation. Là, nous rentrons en plein là dans Matthieu 24. Nous rentrons en plein là dans Matthieu 24. Et il faut dire, la génération qui verra ça ne passera pas. Ne passera pas. Donc, cela veut dire que nous sommes dans cette génération qui a vu Israël. C'est même encore polémique parce que si on parle de 46 ans aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans. Et 40, effectivement. Ça fait plus de 40 ans. Alors là, ça pose problème parce qu'aujourd'hui, ça crée des soucis entre des gens qui pensent que Jésus est déjà venu depuis ce temps-là. C'est des polémiques, vous voyez? Or, si on n'a pas le repère de la parole, on va se tromper. On va se tromper. Parce que si on dit cette génération, et Frère nous explique, il dit qu'il ne parlait pas à ceux de cette époque-là. Il dit beaucoup de chercheurs se sont trompés et croient que Jésus s'adressait à ceux de cette génération. Non, il dit que ce n'était pas eux, parce qu'après ce temps, ils ont été dispersés.
Voilà pourquoi en 1946, Israël devient une nation avec un drapeau, une monnaie. Vous voyez un peu? Alors, à partir de ce moment-là, nous voyons que voilà le figuier. Mais ces générations qui voient, alors, ils ont plus ou moins 40 ans. Donc, si on met 40 ans, de 45 à 40 ans, on tombe les années 86. Alors, donc c'est que Jésus est venu entre cette période. Alors, donc, nous, on a manqué la loi entre d'autres thèmes. Oui, mais voilà où on peut naître les doctrines, si vous voyez. Donc, si on n'a pas un regard pointu des Écritures et des types, on va se tromper. Vous voyez. Donc, à quel âge nous vivons? Donc, depuis ce temps-là, depuis 46, Israël est en train de rentrer dans sa patrie. Voilà. Il est en train de rentrer dans sa patrie. Alors, nous devons déjà mentionner le pourquoi. Le pourquoi, c'est toujours Israël qu'on a regardé, alors qu'ils sont dans une nation. Mm-hmm. Et pourquoi alors ils sont rentrés? C'était pour accomplir une prophétie. Quelle est cette prophétie? Nous aimerons savoir, pasteur. Quelle est cette prophétie? Parce que si Israël c'est le figuier, alors c'est à eux que nous regardons. Nous voulons tous savoir sur Israël. Oui, mais attends, Matthieu 24, c'est même ça, cette prophétie. Parce que je voudrais qu'on reste dans la thématique. Parce que si nous sortons là, on va commencer à toucher Daniel. Et c'est ce que je vois qu'on est lâche du débat. Je vais laisser s'y conscrire dans ce que nous voulons apprendre aujourd'hui. Vous voyez? Donc, c'était pour accomplir en fait la prophétie de Christ. Hein? Nous pouvons rentrer même dans Osée, relier encore des choses qui étaient sur Israël. Mais ce n'est pas ça notre thème de ce soir. Voilà. Maintenant, après 40 ans, nous voyons donc justement que Israël, juste en quand Israël rentre effectivement dans sa nation, on peut voir qu'il est devenu une nation, n'est-ce pas, avoir un drapeau, avoir une monnaie et est inscrit aux Nations Unies. Ça, on peut le voir aujourd'hui. Mais nous nous rendons compte que de 46 à aujourd'hui, beaucoup de temps sont passés. Alors, Israël est toujours notre horloge. C'est la question qu'il faut répondre. Alors, dans quelle génération elle va s'accomplir? Cette écriture. Dans quelle génération va s'accomplir? Parce que pas de quelle heure est-il? Dans cela, on va lire quelque chose dans une citation de Frère Branham. Il y a de nombreux passages d'écriture, ma sœur, mon frère, quelle que soit la personne, entre autres Joël. Ce qu'a laissé le Gazam, le Hazil l'a dévoré, et ainsi de suite. Cette arbre. Et Jésus lui-même a dit qu'il serait rejeté et tout. En toute écriture, dans Daniel et partout, et parle. Oui, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, sachez que le temps est proche. Je crois que cette autre question porte un peu sur le même sujet. Croyez-vous que le retour des Juifs en Palestine est l'accomplissement de la prophétie de la Bible? Nous avons entendu dire que vous allez en Palestine. Est-ce vrai? C'est la question-réponse. On pourrait faire madame. Oui, monsieur. Je vais vous dire quelque chose. L'un des plus grands, si vous voulez savoir à quel moment de l'année on est, regardez le calendrier. Si vous voulez voir à quelle heure de la nuit on est, regardez l'horloge. Si vous voulez voir quel est le jour où nous vivons, regardez où sont les Juifs. L'horloge de Dieu, c'est eux. Et regardez, la nuit même, le jour même où l'ange du Seigneur est venu à moi en 1946, le 7 mai à Greenwich Mill, dans l'Indiana, c'est le jour même où le traité de paix a été signé pour les Juifs et où ils ont établi une nation pour la première fois depuis 2500 ans. Et ce soir, le drapeau le plus ancien du monde, l'étoile David à six branches, flotte sur Israël pour la première fois depuis 1500 ans. 2500 ans. Depuis la déportation à Babylone, Jésus a dit, quand vous verrez le figuier bourgeonner, voilà, il a dit, laissez-vous instruire par une parabole, vous dites que l'été est proche. Quand vous verrez ceci, sachez que le mois est proche à la porte. Alors,
Donc, vous voyez à quelle génération les juifs sont là. Et vous remarquez aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme événement moderne rendu clair par la prophétie, nous pouvons voir aujourd'hui la Russie tenir tête à tous les systèmes mondiaux. Nous pouvons voir Israël tenir tête et forcer, malgré les lois qu'on frappe, ils continuent. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Lorsque nous voyons aujourd'hui ces derniers jours avec Covid-19, nous pouvons comprendre que nous sommes effectivement au temps de la fin. Mais non, lorsque Femanam arrive à définir lui-même l'heure à laquelle nous sommes, Femanam a défini, il a dit que nous vivons le temps d'emprunt. C'est là où le temps d'emprunt, quelque temps supplémentaire. Il dit, parce qu'en réalité, s'il faut regarder l'écriture, c'est depuis 86 qu'on devait être dans l'accomplissement de cette écriture. Mais il faudrait dire que nous vivons un temps d'emprunt. Et il explique, il y a une situation tout à l'heure, il dit que, remarquez, lorsque Noé est rentré dans l'arche, il dit, Dieu a dit, il entrait dans l'arche et la pluie tombait. Mais nous remarquons que Dieu a laissé 7 jours après. Et voilà, on appelle ça le temps d'emprunt. Pour permettre, il dit, parce que Dieu veut que le pécheur soit sauvé, qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Donc nous connaissons que la prolongation que Dieu nous donne, nous sommes déjà aux dernières heures des gentils. Parce qu'il faudrait justement que l'évangile retourne en Israël. Voilà. Donc le temps d'emprunt que Dieu nous donne encore, c'est pour que le dernier élu puisse rentrer. Voilà pourquoi nous, les pasteurs, nous travaillons dans l'évangélisation pour que ces derniers élus puissent entrer. Donc, si vous permettez, je vais juste donner ces citations pour éclairer nos téléspectateurs et vous, mon studio. Il dit, c'est quoi le temps d'emprunt? C'est moi qui dis, c'est quoi le temps d'emprunt? Et si Moïse se voit un guerrier de ce temps-là, donc, que Dieu avait promis à Abraham, comme quoi, dans sa grande patience, un jour, il allait. Le peuple séjournait pendant 400 ans dans un pays étranger. Et durant ce temps, rappelez-vous, il y eut un laps de temps. Ici, il parle de laps de temps. OK? Un laps de temps. Écoutez très attentivement une minute. Il y a eu un laps de temps. Ce n'était pas exactement 400 ans. C'était 420 ans. Oui, ailleurs, il dit 430, ailleurs, il dit 440, non, ouais. Mais il y a quand même eu un temps de prolongation. Voilà, il faut bien comprendre. Voilà, on est passé sur l'étude de ce laps de temps. On est là pour comprendre pourquoi nous sommes à cette heure et pourquoi, après 40 ans, ces générations, les choses ne sont pas arrivées. Alors, on comprend donc que, voilà, pour éviter les doctrines qui vont dire, non, Jésus est venu en 77, il est venu et tout, on est dans le millénaire, il faut éviter ça. Voilà, il faut montrer pourquoi nous sommes là, à attendre encore la venue du Seigneur, la venue physique du Seigneur. Préciser. Voilà. Parce que nous avons le Sunset Mountain qui était un grand signe pour l'épouse. Voilà. Et des 400 ans, 420 ans, le laps de temps. Ce qui a fait qu'on arrive à 420 ans, c'est la même chose qui était arrivée dans le monde antédiluvien. Le temps était déjà proche. Mais à cause de la patience, Dieu ne voulait pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Vous voyez, le laps de temps lors de la destruction antédiluvienne, voyez-vous, le laps de temps lors de la libération des enfants d'Israël, je voudrais donc que vous saisissiez bien cela maintenant. Écoutez, maintenant saisissez bien mes paroles. Ne dites pas, frère Branham a dit, Jésus devrait être déjà venu. Ah, comme beaucoup le disent aujourd'hui. Oui, il précise parce qu'il a tout travaillé, il a tout travaillé, il parle, c'est bien dans le message « L'eau du rocher ». Vous voyez? Il dit, écoutez-moi bien, ne dites pas que Jésus, enfin, voulait dire que Jésus est déjà venu. Parce qu'il traite de ce sujet, en montrant justement qu'il y a ce temps, ce laps de temps, que cette prolongation, parce qu'il faut que le dernier élu puisse rentrer. Voilà. Parce que nous sommes dans Matthieu 24, dans le figuier, qui est Israël. Voilà. Alors, il dit, ne dites pas que, madame, j'étais où? Jésus devait être déjà venu. Mais je crois que la venue de Christ devait déjà avoir eu lieu, depuis très longtemps. Après tout, les théologiens et tous les autres, sachant que cela devait arriver à un temps donné, je pense bien qu'après que les prophètes s'étaient tenus là, avaient dit, cela arrivait à telle période. Et ils l'ont manqué.
comme Dieu est tellement patient, il ne veut pas que M. Dupont, qui est assis ici ce soir, mais il veut qu'il arrive à la repentance. Il ne veut pas que Mme Dupont assise ici et tous les petits-enfants périssent, mais il est patient. Amen. Maintenant, nous lisons à nouveau dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Un grand général parfait, l'autre jour, disons, la prochaine guerre aura lieu, durera seulement 3 minutes. 3 minutes. Il n'est pas étonnant que la science dise qu'il est minuit moins 3. Voilà encore, là, le prophète, il nous donne encore, il nous situe encore dans un temps bien précis, minuit moins 3. Et nous savons que l'enlèvement a lieu au petit matin, entre 6 et 9 heures. Donc ça, c'est que notre enseignement. Voilà. 3 minutes, c'est tout ce qu'il faut faire. Voler entièrement le monde en éclats et le faire exploser. Nous vivons un temps d'emprunt. Donc, nous sommes à la fin. Donc, la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est un temps d'emprunt. C'est un temps d'emprunt. C'est le fond qui le dit. Un temps d'emprunt. Un fanatique, un de ces jours, va en déclencher une. Et quand il... Vous savez, quand il dit fanatique, c'est qui appelle le fanatique? Ne te fais à la Russie là-bas. Voilà, c'est le fanatique qui va appuyer pour... Il va appuyer ce bouton et c'est fini. Mais l'épouse sera plus sur la terre. Voilà. Là, aura, il dit, et quand il l'a... Cette pause d'écoute et tout, les oreilles en alerte, dès qu'ils entendent le premier sifflement passer avec des bombes, ils vont aussi en déclencher une. Et alors, dès que ça aura commencé, en un déclencheur de deux côtés, et elles influenceront, afflueront là. Ça sera une secousse constante et complète. Ce monde sera réduit en cendres volcaniques. Donc, vous voyez donc ici, il se dit bien chaque temps que nous sommes véritablement en train de passer le temps d'emprunt. Voilà. Donc je crois que tout est bien clair que l'horloge Israël, dont nous sommes Israël. Voilà pourquoi Israël doit recevoir les deux témoins de Abou chapitre 11. Et nous croyons qu'ils ne sont pas là. C'est vrai qu'il y a une doctrine qui nous dit qu'ils sont déjà là depuis. Voilà. Je vais bien comprendre comment ils sont là. Et nous sommes encore sur la terre. Et l'épouse est toujours sur la terre. Voilà. Donc je vais comprendre. Il y en a qui disent que c'est une onction qui va frapper deux messieurs, deux hommes qui iront en Israël. Et d'autres disent que c'est sera Élie et Moïse lui personnellement. De toute façon, l'épouse sera plus là pour voir ça. Donc ce n'est pas tout notre enseignement là-bas. Ça, c'est pour les Juifs. Voilà. Comprenons par là que aussi longtemps que les deux témoins ne sont pas là en Israël, l'épouse est toujours là sur la terre. Oui, aussi, est sur la terre, oui. Et nous savons aussi que nous n'avons pas régné, n'est-ce pas, Rome, qui est aussi un signe indicateur, n'est-ce pas, dans le conseil œcuménique. Ça, nous n'avons pas refusé ça. Et déjà, peut-être vous n'êtes pas au courant, ce mois de septembre qui finit, et le pape a appelé au congrès. Donc, c'est là des signes aussi annonciateurs du départ soudain d'épouse. Et cela nous régit le cœur. C'est ça que Rome va mettre ses machines en jeu pour contraindre l'épouse à marcher, voilà, à pouvoir marcher. Et c'est là où le troisième pôle va se déclencher d'une manière puissante. Voilà, et comprenant qu'il y avait des dieux sur la terre. Voilà, donc il a convoqué une réunion, il a convoqué tous les 80, et je crois un peu plus, tous les décideurs religieux du monde, pour que nous puissions voir, pour qu'ils puissent voir ensemble, par nous, eux, comment parler le même langage et mettre la paix sur la terre. Alors, le conseil d'écriture, ce qui va se passer. Et tous, j'ai suivi le discours, voilà, le discours de ce grand rabbin et l'autre arabe. Ils étaient d'accord avec ce que le papa dit. Ils commencent à se mettre ensemble. Ce qui hier n'était pas possible. Donc, vous voyez que l'épouse doit se préparer. Parce que l'heure est très avancée. Dans ce temps d'emprunt. Je fais le mot de temps d'emprunt. Alors, nous comprenons que là, présentement, nous sommes dans un temps d'emprunt. Dans un temps d'emprunt, comme je l'ai fait, madame. J'ai même 4 stations là-dessus. Pasteur, lorsque vous avez parlé, vous avez dit... Lorsque vous avez mentionné le temps d'emprunt, vous avez parlé de Noé, que Dieu avait donné un temps d'emprunt à Noé. Et j'aimerais un peu savoir, dans le même Matthieu 24, la parole, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il parlait, il disait, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni les, dans les cieux, ni le Fils, ni le, mais le Père seul. Après, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, cela est toujours dans le même canon de Matthieu 24. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'éclaircissement là-dedans? Comme vous avez parlé du temps d'emprunt dans lequel nous vivons maintenant. Et le Seigneur Jésus-Christ parle de ça aussi dans Matthieu 24.
Oui. Est-ce que cela coïncide avec le temps dans lequel nous vivons, avec ce que vous avez eu à dire précédemment? Voilà, merci pour la question. Frère Bonhomme, dans cette génération, nous savons tous qu'il a sa mission, sa commission dans cette génération. Et Jésus a fait bien exprès, merci pour la question. Ça m'a effleuré quand je méditais sur le sujet, sur la thématique. Alors, vous remarquez que Jésus, lorsqu'il parle de la parabole, il introduit comme il en était de même. De même qu'il en était au temps de Lot. Au temps de Lot. Vous voyez, il prend un exemple avec Lot. Vous voyez? Et il prend aussi un exemple avec Noé. Vous voyez un peu. Alors, nous remarquons que nous devons comprendre qu'à l'époque de Noé, de Lot d'abord. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Lot? Nous prenons tout le schéma. Nous avons remarqué qu'à l'époque de Lot, nous avons eu Elohim et les deux anges. Et nous savons que Frère Manam nous a défini c'est qui les deux anges. Donc c'est Billy Graham et Oral Roberts et lui, Branham, qui était pour l'épouse. Et les deux anges sont allés dans le monde pour les aveugler. Mais Elohim est resté tourné le dos de la tente et a discerné les pensées de Sarah. Alors, sur Luc 17:30, aujourd'hui, en dehors des hommes qui bâtissaient et tout, nous voyons que dans tout ce schéma et dans tous ces indicateurs, nous voyons que Elohim est resté avec l'épouse. Mais est-ce que le fait qu'il reste avec l'épouse veut dire que c'est la fin? Non. Vous voyez? Parce que c'était un temps de visitation de l'épouse. Un temps de visitation. C'était pas encore la destruction. OK? Mais vous avez remarqué que après la visitation d'Elohim à Abraham, lorsque Elohim est parti, vous remarquez que ce n'était pas la fin. Il y a eu le temps où Isaac devait venir. Voilà, parce que tout est bien cadré. Voilà, parce que les gens m'ont dit, c'est la fin. L'épouse a levé, nous sommes dans le millénium. Le temps est fini. Voilà, comme aujourd'hui, parce qu'ils vont prendre le schéma, par rapport aux dates, ils vont se focaliser là-dessus. Quelque part, ils n'ont pas tort, mais il faut que l'enseignement aille un peu plus loin. Alors, quand Fernand dit, je suis un typologue. Et si vous enseignez le type, vous ne vous trompez pas. Quand Elohim est parti, avec les deux anges, mais il fallait que le fils promis vienne. Donc, l'épouse a quelque chose à manifester. Et c'est ce qu'elle manifeste en réalité qui va l'enlever. Et remarquez, lorsque Abraham s'en va, qu'est-ce qui se passe avec Abraham et Sarah? Il y a le corps qui change. Donc, l'épouse a encore des choses qu'elle a manifestées. Il y a la translation de son corps qui doit avoir lieu. Il y a la manifestation du Fils promis qui doit venir avant que nous quittions la terre. Donc, si on me parle de l'enlèvement, parce que le temps avec Matthieu 24, beaucoup se battent pour dire non, Jésus est venu en tête pilote. Oui, parce que Matthieu 24, il était long. Le Seigneur Jésus-Christ a développé jusqu'à arriver au temps de Noé. Au temps de Noé. Voilà, le temps de Noé. Alors, nous vous racontons qu'il y avait le prophète Noé qui était là. OK? Il y avait le prophète Noé. Et il fallait que la pluie tombe. Et nous savons que nous attendons aussi la pluie, la première et de la saison qui doit tomber ensemble. C'est le frère Branham parle dans le message, je peux me tromper du titre là, la parole parlait, merci, et la parole parlait à la semence originelle, je crois, deuxième partie. Où le frère Branham dit que, remarquez, lorsque ces anges et le Seigneur disparus, la pluie tombait. Donc c'est encore un autre indicateur. Et nous savons que j'ai eu la grâce d'avoir été aux États-Unis lorsque Billy Graham est mort. Okay. C'est en 2018 qu'il est mort. Alors vous remarquez que les deux anges ne sont plus sur la terre. Billy Graham, ils ne sont plus là. Et le prophète qui représentait le Seigneur, ils ne sont plus là. Ah. La pluie tombait. C'est le prophète. Il dit, remarquez. Lorsque ces deux anges et le Seigneur disparurent, la pluie tombait. Donc là, nous pouvons voir que jusque-là encore, un ange était encore sur la terre. Un ange, un prophète était sur la terre. Dieu était sur la terre sous la forme d'un homme, le frère Branham, dans un corps de chair. Donc on a encore eu Genèse 18 manifesté en notre temps aujourd'hui. Donc nul doute que l'épouse ne peut pas être séduite. Ne doute que l'épouse
va manifester ce que Dieu a promis. Voilà. Toujours sur ce que vous êtes en train de dire, vous avez parlé, vous avez dit que l'épouse, lorsque vous étiez en train de parler, vous avez beaucoup mentionné l'épouse, l'épouse. Mais est-ce que c'est tout le monde qui est l'épouse? Tout le monde qui va à l'église, qui se dit être chrétien, peut dire qu'il est l'épouse aujourd'hui? Ou bien il y a une différence avec d'autres personnes? Bon, je ne peux pas ici établir la différence, qui est l'épouse et qui ne l'est pas. L'épouse est prédestinée. L'épouse est prédestinée et c'est Dieu qui sait qui est l'épouse et qui n'est pas l'épouse. Nous voyons pas. Même quand on parle de la parabole des 10 vierges, toujours là encore, qui a l'huile, qui n'a pas l'huile. Chacun clame qu'il a l'huile. Voilà, chacun. Quelle est la particularité d'une personne? Je peux dire par exemple, si un téléspectateur est en train de nous suivre, quelle est cette chose-là qui lui fera dire que moi je suis de l'épouse? Est-ce qu'il peut juste se dire que moi je fais partie de l'épouse? Ou bien c'est tout le monde qui peut dire que bon, moi, je par exemple, imaginons une personne lambda qui va par exemple dans une église quelconque, je ne veux pas citer les noms, peut-être peu importe, que ce soit catholique, baptiste, presbytérien, ou même du message, est-ce qu'elle peut se dire, est-ce qu'il y a une différence avec, est-ce que l'épouse est une personne, est-ce que l'épouse est différente par exemple des autres? Voilà, déjà tout le monde dans le monde du christianisme, tous clament haut et fort qu'ils sont l'épouse, qu'ils vont être enlevés. J'ai encore suivi un éminent prédicateur nigérian qui est en Afrique du Sud qui a clamé haut et fort qu'il est l'épouse. Il parle de rapture, il parle en anglais, il a enseigné sur l'enlèvement. Ok. Maintenant, on doit comprendre dans le principe de l'enlèvement, dans le présent enlèvement, que c'est ceux qui sont du groupe de Branham. Permettez-moi de parler un peu comme ça du groupe de Branham parce qu'il a été envoyé à l'épouse. Il est venu pour chercher une épouse pour Christ. Christ qui est Isaac. Voilà, il est venu pour une mission. Donc, ce n'est pas tout le monde. Si tu penses être une épouse, la peur, c'est que tu dois d'abord croire, pas contempler. Parce que il y a une différence entre examiner le message, entre apprécier le message et croire le message. C'est comme une personne, par exemple, qui va pour acheter une voiture. Il apprécie juste la voiture, mais l'autre, il vient, il apprécie, il achète. Il achète, voilà. Il apprécie, il dit, elle est belle, cette Hyundai, elle est belle, cette Cadillac. Mais il apprécie. Et beaucoup sont là pour apprécier le message, même comme ils sont dans le message. Et bien, David dit, il y a une différence entre apprécier, il y a une différence entre examiner et croire. Donc, ce qu'il faut dire clairement, c'est ceux qui croient. Voilà, parce que lorsque vous croyez, vous la manifestez. Voilà pourquoi Femme a dit qu'on les reconnaîtra à leurs fruits. Alors, encore tout dans le message, je parle de la semaine originale, on a dit que c'est quoi le fruit? Il dit qu'on les reconnaîtra à leur enseignement. Les enseignements. Les enseignements. Donc, l'enseignement aussi va caractériser la démarcation de ceux qui sont de l'épouse et ceux qui ne sont pas. Là, c'est ça le problème. Voilà. Je crois que je me suis battu à donner quelques éléments de réponse. Je sais que je n'ai pas la science infuse. Je me débrouille, je ne sais pas ce que je peux, à la petite connaissance que j'ai. N'est-ce pas, d'autres peuvent aller plus loin que moi et creuser encore plus profondément. Mais je crois qu'on a pu aider quelqu'un à partir de ces quelques mots, par les lèvres balbutiantes, comme disait la parole, qu'on a pu dire quelque chose de bon. Voilà. Donc, jusque-là, pasteur, nous avons compris que nous vivons dans les temps de prolongation, comprenant que certaines paraboles de Matthieu 24 se sont accomplies. Nous avons compris que nous allons nous référer au Israël. Là aujourd'hui, nous avons vu, comme vous avez dit en 46, nous avons vu Israël retourner dans sa patrie, qui veut dire qu'à l'époque, cette patrie avait été détruite. Selon Matthieu 21. Selon Matthieu 21. Et donc, mais nous aimerons savoir, pour essayer d'un peu de chuter à cette interview, nous aimerons savoir, pasteur, est-ce qu'aujourd'hui, vous l'avez aussi mentionné lorsque vous avez parlé, vous pouvez nous confirmer que l'épouse est encore là sur la terre ou qu'elle est déjà enlevée? Comme nous entendons par exemple aujourd'hui que récemment nous avons des personnes qui étaient là parmi nous qui disaient que moi je suis enlevé. On lui posait la question, mais tu es ici avec nous, de quel enlèvement est-ce que tu parles? Est-ce que vous pouvez nous confirmer que l'épouse est là ou qu'elle est déjà enlevée? Ceux qui déclarent que l'épouse est déjà enlevée, je vais seulement dire que c'est un manque de Saint-Esprit.
Parce que Frère Branham nous dit que le Saint-Esprit nous donne la compréhension claire de la parole. Claire de la parole. Voilà. Je peux savoir d'où ils se sont basés pour dire ça, parce qu'on a le même message. Alors, mais c'est un manque de Saint-Esprit. Parce que quand vous avez le Saint-Esprit en vous, il vous conduira dans toute la vérité. Voilà, c'est ça le problème. Maintenant, si vous n'appliquez pas les types, vous allez vous tromper. Remarquez simplement dans 2 Thessaloniciens. Verset 4. 2 4, verset 16. Il y a 3 choses qu'il fait. Il y a le cri, il y a la voix, il y a la trompette. Alors, si l'épouse a enlevé, quand est-ce que la trompette a eu lieu? Parce qu'il y a une trompette pour Israël, il y a une trompette pour l'épouse. Nous devons appeler nos morts à la résurrection. L'époux doit appeler ses morts. Vous voyez, il y a ce schéma que les gens ne parviennent pas à bien classer lorsqu'ils lisent la Bible. J'ai dit tout à l'heure que lorsque Elohim est venu à Abraham, après que l'homme soit parti, la chose suivante, c'est que Isaac est venu dans le sein de Sarah. Deuxième chose, le corps d'Abraham a été changé. Il a rajeuni. Le corps de Sarah a rajeuni. Donc, tous les cellules mortes sont dans la vie. Voilà pourquoi l'épouse, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, nous, les vivants qui sont restés, nous ne devancerons pas les morts. Parce qu'il faudrait que nous ayons une certaine dimension, que nos corps aient atteint une certaine dimension pour pouvoir appeler nos morts à la vie. Parce que, étant comme ça, on ne passe pas de voir un mort qui vient, on va fuir. Ça, c'est clair. Voilà pourquoi il faudrait que le corps d'abord, que nous soyons changés, ensuite, nous appelons nos morts à la vie. Alors, ceux qui sont enlevés, ces étapes-là, quand l'ont-ils manifesté? Ouais, c'est vraiment de connaître la parole de Dieu. Donc, je crois que l'épouse est encore sur la terre. Elle est bel et bien sur la terre. Elle va manifester Christ sur la terre. Et c'est cette manifestation qui va provoquer Rome, afin que Rome va nous chercher. J'aimerais ça encore calme parce que l'épouse n'est pas encore en train de secouer le monde dans le domaine surnaturel. C'est ça qui a amené Rome à savoir qu'il y a une puissance sur la terre. Et cela n'est plus très loin. C'est très bientôt. Que vous parlez de Rome, pasteur, est-ce que vous pouvez nous situer ça? Qui est Rome aujourd'hui dans la Bible? Parce que vous dites que Rome qui doit persécuter, nous sommes en train de chuter l'émission, mais nous aimerions un peu savoir pourquoi est-ce que Rome devrait persécuter l'épouse? Parce que je peux me dire, ben, si je suis de l'épouse, pourquoi est-ce que je devais être persécuté par une église qui se dit être de Dieu aussi? Bon, Rome aujourd'hui, c'est vrai, oui, j'ai dit Rome, c'est vrai, Rome c'est une ville en Italie, ça, je suis d'accord, c'est vrai, merci pour la question, parce qu'il faut éclairer l'opinion. Rome, c'est l'église catholique aujourd'hui en fait, voilà, c'est la mère des prostituées. Voilà pourquoi elle a appelé sa fille la semaine dernière pour étudier les stratégies, comment faire pour pouvoir attaquer, n'est-ce pas, la Vierge sage que nous sommes. Voilà, donc voilà un peu, c'est les catholiques, on n'a pas peur de le dire. Eux-mêmes le savent. Voilà. Chers téléspectateurs, comme vous pouvez le voir, avec le serviteur de Dieu, le pasteur Lélé, essayez de nous situer dans la parole, avec les Écritures, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Nous avons vu Israël retourner dans sa patrie, nous avons vu plusieurs Écritures qui ont été apportées, nous avons vu entendre parler de Noé. Avant le déluge, Dieu avait donné le temps de prolongation pour les gens d'y rentrer dans l'arche. Et cela, le Seigneur Jésus-Christ s'est référé à cela encore aujourd'hui. Donc, le pasteur nous a fait comprendre que nous sommes dans un temps très, très avancé. Parce que nous voyons ces bruits de guerre, comme il a aussi mentionné le monsieur de la Russie, le roi du Nord, qui est en train de faire en ce moment même, pour ne pas dire le président de la Russie, qui même en ce moment est en train de mettre une grande pression partout dans le monde aujourd'hui. Ça entend parler de troisième guerre mondiale, ça entend parler d'une guerre imminente avec les États-Unis et toutes ces choses. Donc nous avons compris qu'il est très, très, très tard. Et le pasteur nous a encore confirmé que l'épouse n'est pas encore enlevée. L'épouse est encore ici, sur la terre. Et pour finir avec, on va finir avec cela, pasteur. Si l'épouse est encore sur la terre, nous aimerons comprendre la raison, en fait, la raison pour laquelle elle est sur la terre, si vous pouvez donner cela. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va déclencher le départ de l'épouse, ou est-ce qu'elle est en train de se préparer, ou est-ce que la pression. Lorsque Rome va
exercer sa pression sur l'épouse, c'est là qu'il va déclencher son départ. Voilà. Donc, quand les gens parlent de l'enlèvement déjà eu lieu, je veux savoir jusqu'à. Ils ont toutes ces étapes à franchir. Quand l'ont-ils franchi? Donc, il faut aider les frères. Les types ne trompent pas. Il faut la pression sur l'épouse. C'est ça qui va déclencher le troisième pôle. Et nous allons décoller et partir. Pour nos téléspectateurs, pasteur, qu'est-ce que le troisième pôle? Parce qu'il se peut qu'il y ait un bien-aimé qui puisse nous suivre et il va juste entendre parler du troisième pôle, tout ça. Il aimerait peut-être se poser la question, juste brièvement, qu'est-ce que le troisième pôle? C'est cette puissance que Dieu déversa dans l'Église qui nous permettra, si je définis comme ça, à la vitesse de la pensée, de disparaître. C'est pendant que nous cherchons dans nos maisons, nous pourrons disparaître. C'est pour ça qu'on voit dans la vie de Jésus, vous voyez, il peut partir d'un milieu à un autre. Parce qu'il a tout manifesté. On peut voir Philippe partir d'un endroit et atterrir avec l'Union éthiopienne. Nous allons manifester sur tout cela. Donc voilà, c'est ça le troisième pôle pour la définition. Il n'y a pas une définition pédagogique par rapport à tout troisième pôle. Voilà comment on va le faire. C'est une grande puissance qui va tomber sur l'épouse. Parce que lorsque la pression viendra, Dieu va nous donner cette puissance justement. Mais il dit que c'est une puissance sous contrôle pour qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Voilà pourquoi ceux qui auront cette puissance, c'est ceux qui auront le caractère. Parce qu'il faudrait l'amour divin dans le cœur de l'homme pour pouvoir manipuler cette puissance. Sinon, on va faire des dégâts avec cela. Donc, comme madame dit, c'est une puissance sous contrôle. De troisième pôle. Voilà. Merci, pasteur Lélé. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été édifiés. Vous avez vraiment apporté des éléments qui ont pu nous donner un éclaircissement. Et de sur, vous aussi, pour votre attention. Pasteur Lélé, alors pour chuter, quel est le mot de la fin que vous avez pour ceux qui vous regardent? Je voudrais dire à nos téléspectateurs et nos amis en studio, c'est une chose que je voudrais recommander à l'Église aujourd'hui, c'est de chercher le vrai baptême du Saint-Esprit. Frère Mme dit dans le nom blasphématoire, qui est si rare aujourd'hui, car Dieu vient enlever ceux qui ont le vrai baptême du Saint-Esprit dans l'âme, pas dans l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, chers téléspectateurs, ceci était le mot de la fin. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.